Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. C'est à une grande dame de l'histoire que Franck Ferrand a choisi de dédier son émission d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Une grande dame ou plutôt deux. Car si Madame de Maintenon, la seconde épouse de Louis XIV, va retenir notre attention là pendant, euh, pendant cette heure, c'est sa célèbre porte-parole que nous recevons dans ce studio. Françoise Chandernagor, l'auteur de L'allée du roi, me fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Et puis je vous demandais de quoi vous nous parlerez à la toute fin de l'émission. Alors nous parlerons d'un phénomène dont Madame de Maintenon, en son temps, n'avait pas à se soucier. Elle Bien de la chance. Quoique, me direz-vous, nous évoquerons les sondages d'opinion qui fleurissent en cette année, en cette rentrée 2013. Alors d'où viennent-ils ces sondages Depuis quand est-ce que l'on sonde l'opinion bien, C'est ce que nous verrons. Pour le moment, fouet de cocher, nous partons pour Saint-Germain, Saint-Cyr et Versailles. 1, au cœur de l'histoire. Ferrand. C'est un livre qui a changé, voilà, 30 ans, le regard de toute une génération sur Madame de Maintenon. Un grand ouvrage, un roman qui, après les mémoires d'Adrien, de Marguerite Ursenard, devait conférer ses lettres de noblesse au genre assez nouveau des mémoires apocryphes. Je dis assez nouveau à l'époque parce que depuis, le moins qu'on puisse dire est que un très grand nombre d'auteurs se sont engouffrés dans la brèche. L'allée du roi de Françoise Chandernagor. Je me revois adolescent traînant partout avec moi ce livre épais. Enfin, assez épais, je l'ai là, l'exemplaire de l'époque à l'été 1982. Je suis allé partout, jusqu'en Prusse occidentale, chez mon correspondant d'allemand avec ce livre. J'y trouvais tout ce qu'on peut chercher dans un beau roman des intrigues, des amours, des haines immortelles, mais avec un surcroît de profondeur, de finesse et d'extrême élégance. Certaines des premières phrases gravées dans ma mémoire parlent pour tout le livre, un livre conçu comme une longue lettre adressée à Marie de la Tour quand elle aura 20 ans. Dans les, dès, dans les premières lignes transparaît la passion de la marquise pour sa fondation de Saint-Cyr et pour les jeunes filles qu'on y éduquait. Euh, avec, vous saviez, ces jeunes filles portaient, en fonction de leur âge, des rubans rouges, jaunes, verts et bleus. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Je voyais sur la neige de la cour verte courir et danser les petites filles rouges dont les rubans mal noués glissaient sur les robes brunes vous mettiez, mon enfant gâté, toute l'ardeur de vos sept ans à piétiner la boue des allées. Au delà des parterres dépouillés, j'apercevais par les fenêtres du réfectoire les jaunes et les vertes qui finissaient de dîner en silence. Leurs couverts d'argent et leurs coiffes blanches renvoyaient vers les croisées plus de lumière qu'elles n'en recevaient de la chapelle derrière moi j'entendais monter le chant des grandes filles bleues qui disaient l'office du milieu du jour avec leur maîtresse, et leur voix s'élevant dans l'air glacé avait la brûlante pureté d'une flamme avant le travail décisif de Françoise Chandernagore, la jalousie morbide de la princesse palatine contre on peut dire aussi, d'ailleurs, l'admiration irénique de madame de Quellus, et la haine d'un Saint Simon, et la complaisance d'un Dangeau, tout cela avait eu tendance Malgré la Beaumelle, malgré Sainte-Beuve, à nous détourner de celle que Madame affublait indifféremment des jolis noms de Guenip ou de Vieille Ripopée. Saint-Simon, plus que d'autres, lui avait fait une réputation. Le mémorialiste ne cesse de dénoncer l'omnipotence de Madame de Maintenon tout en l'admirant malgré lui. Je cite Saint-Simon La toute-puissance, l'adoration publique universelle, les ministres, les généraux d'armée, la famille royale, la plus proche, tout en un mot à ses pieds, tout bon et tout bien par elle, tout réprouvé sans elle, les hommes, les affaires, les choses, les choix, les justices, les grâces, la religion, tout sans exception en sa main, et le roi et l'État, ses victimes. Quelle, elle fut cette fée incroyable, et comment elle gouverna sans lacune, sans obstacle, sans nuage le plus léger, plus de trente ans entiers, et même trente-deux, c'est l'incomparable spectacle qu'il s'agit ici de se retracer, écrivait le mémorialiste qui n'en croyait pas lui même ce qu'il avait pu voir. Plus qu'une femme politique, madame de Maintenon aura été, je crois, une éducatrice hors pair, une pédagogue avant la lettre, elle même ne disait elle pas C'est ma folie que l'éducation elle allait servir de mère de substitution aux enfants que madame de Montespan avait donnés au roi et dont elle avait fait des princes et des princesses légitimées et dont il avait fait, dont le roi avait fait enfin le parlement, pour être plus exact, avait fait des princes et des princesses légitimées. C'est elle, c'est madame de Maintenon qui les a élevés mais d'où venait elle pour y prétendre quelles étaient ses origines? En 1669, au moment où elle prend en charge l'éducation des petits bâtards royaux, Françoise d'Aubigné, c'est son nom, est d'abord une veuve, et pas une veuve ordinaire, puisqu'elle avait été mariée à Paul Scarron, vous savez, le fameux poète licencieux, un paralytique Scarron, un cul-de-jatte, pour tout dire, qui avait 25 ans plus de plus qu'elle. Qu c'est peu de dire que sa mort l'avait délivrée d'un grand poids. Françoise était une belle femme, euh, il faut imaginer de très beaux yeux pleins de feu, une jolie bouche, un sourire enchanteur. Elle était coquette, élégante, sexuellement attirante jusque dans un âge avancé. On se rappelle ce que disait Louis XIV elle a du feu dans les yeux, disait-il. Cette, cette femme assez extraordinaire, qui a déjà plus de 30 ans lorsqu'elle fait son entrée, assez remarquée à la cour, euh, n'a pas été véritablement préparée à devenir gouvernante d'enfants royaux. Elle est née dans une prison, son père étant détenu, elle a été élevée en partie aux Antilles, elle en gardera le surnom de belle indienne, elle s'est convertie au catholicisme, car elle était née protestante, elle a été emballée en poitou chez des tentes austères, elle a reçu elle-même une éducation certes convenable, mais rigoureuse. On dit qu'elle Ans, elle n'avait lu que Plutarque, et donc c'est ce qui expliquait qu'elle connut si bien l'histoire ancienne. Cela dit, ça peut servir en société. Elle raconte par exemple une journée passée dans son enfance avec sa cousine à garder les dindons. On est en Poitou, là. On nous plaquait un masque sur notre nez car on avait peur que nous ne halassions. On nous mettait au bras un petit panier où était notre déjeuner avec un petit livret des quatrains de Pibrac dont on nous donnait quelques pages à apprendre. Avec cela, on nous mettait une grande gaule dans la main et on nous chargeait d'empêcher que les dindons n'allassent où ils ne devaient point aller. Sa culture va se nourrir considérablement dans l'intimité de Scarron. Évidemment, je vous ai dit qu'elle lisait le latin, par ailleurs à la notions d'italien, d'espagnol. Elle a beaucoup de goût pour la littérature. Elle se rapproche de Racine et les pensées de Pascal seront son livre de chevet. Donc, vous voyez une certaine tendance à se rapprocher de Port-Royal au passage. À la mort de son mari, elle intègre le couvent des Ursulines pas très longtemps. Ensuite, elle s'installe dans une maison de la rue des Trois Pavillons. C'est aujourd'hui la rue elzévir On est dans, dans le Marais à Paris et euh, on peut dire qu'à ce moment là elle essaie de mener sa barque, si je puis dire. Les dames de Saint Cyr, beaucoup plus tard, nous brosseront de madame de maintenant ce portrait flatteur. Madame de Maintenon avait le son de voix le plus agréable, un ton affectueux, un front ouvert et riant, le geste naturel de la plus belle main, des yeux de feu, les mouvements d'une taille libre si affectueuse et si régulière qu'elle effaçait les plus belles dames de la cour, le premier coup d'œil était imposant et comme voilé de sévérité, le sourire et la voix ouvraient le nuage. Autant dire que la belle dame n'a pas été choisie par hasard pour s'occuper des enfants naturels du roi, la rencontre avec Madame de Maintenon, de Montespan, pardon, s'est faite chez le maréchal d'Albret. Le maréchal d'Albret était le cousin par alliance de la favorite et Madame de Maintenon, enfin qui ne s'appelait pas encore Madame de Maintenon, la veuve Scarron, fréquentait ce salon. Le 18 juillet 1668, Madame Scarron fait sa première apparition à la cour. Elle a donc 32 ans à ce moment-là, ce qui quand même à l'époque est assez éloigné de la première jeunesse. Voici ce que dira beaucoup plus tard Saint-Simon. Elle dut à la proche parenté du maréchal d'Albret et de Madame de Montespan l'introduction décisive à l'incroyable fortune qu'elle fit 14 ou 15 ans après. Les respects, les soins de plaire, l'esprit et les agréments de Madame Scarron réussirent fort auprès de Madame de Montespan. Ce qui est assez notable, c'est qu'ils réussirent plus fort encore auprès du roi lui-même. de chambre de Jean-François Payard. Europe 14h-15h, heures, heures. au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand cet après-midi vous nous parlez de Madame de maintenant c'est la suite de votre récit Alors le premier enfant du roi et de Madame de Montespan est né en 1669 on ne connaît pas très précisément son sexe, il semble que ce soit une petite fille qui aurait répondu au prénom de Louise Françoise mais selon Jean-Christian Petitfils ce serait plutôt un garçon de prénom inconnu en tout cas l'enfant mourra très bientôt en 1672 Madame de Montespan cherche... voulait, elle cherchait une personne de confiance évidemment pour élever ses Enfants, et elle pense à son amie, la veuve Scarron. Elle serait très bien, elle est discrète, dévote. Euh, visiblement, elle aime beaucoup les enfants. Il va y en avoir des bâtards, il faut vous dire, parce qu'il y en aura sept, dont quatre atteindront l'âge adulte. Euh, Louis-Auguste de Bourbon, bien sûr, le duc du Maine, qui naît en 1670, mais ensuite euh, Mademoiselle de Nantes, je passe ceux qui, qui sont morts en bas âge. Hein. Mademoiselle de Nantes, euh, qui naît en 73, Mademoiselle de Blois en 77, et puis euh, le dernier, le futur grand amiral de France, euh, le comte de Toulouse, en 1678. De celui-ci, euh, Madame de, de Maintenant ne l'élèvera pas, comme d'autres ses sœurs du reste. Alors. Euh... Il faut imaginer les conditions du tout début de ce de cet office particulier. En mars 1669, de nuit, pour déjouer la curiosité, cette dame si discrète, un masque sur le visage, emporte dans une voiture de louage le premier des nouveaux-nés. Euh, ce sera le préféré de Françoise d'Aubigné parmi les enfants que Madame de Montespan a donné au roi. Euh, il est le septième donc euh, des sept. C'est le petit duc Maine, qui, malgré son infirmité, vous savez qu'il boit ou bien peut-être à cause d'elle d'ailleurs saura conquérir le cœur de, de celle qui va lui faire office de gouvernante elle l'appellera toujours mon mignon et un jour, beaucoup plus tard elle fera tout son possible pour lui, conf, pour lui confier littéralement le pouvoir on va y revenir bien sûr. À sa naissance, en 1670, elle vient le récupérer à l'une des petites portes du parc de Saint Germain, des bras de M. de Lauzun. Françoise a amené avec elle la petite Louise de Dicourt, hein, la future madame de, de Mongon. Pour écarter tout soupçon, le garçon est séparé euh, du de, de l'aîné, je sais pas si on doit dire de, de, du fils ou de la fille aînée. Il est logé dans une petite maison de la rue des Tournelles. Alors il y a toutes sortes de, de va et vient. Je montais à l'échelle pour faire l'ouvrage des tapissiers et ouvriers parce qu'il ne fallait pas qu'ils entrassent dans la chambre. Je faisais tout moi-même les nourrices ne mettant la main à rien et j'allais souvent à pied de nourrice en nourrice déguisée portant sous mon bras du linge, de la viande, de peut-on lire dans l'allée du roi. La troisième naissance, celle du futur comte de Vexin, a lieu en 1672. En fait, il y aura un enfant quasiment tous les ans, ou en tout cas tous les deux ans. Madame de Montespan tombe enceinte à la vitesse de l'éclair, et Madame de Maintenon se voit bientôt chargée d'une responsabilité qui devient terrible. Elle est exangue, euh, et d'autant plus qu'elle doit aussi élever le fils illégitime du frère de, de, de la favorite. À la naissance du troisième enfant, tout le monde est réuni sous le même toit, rue de Vaugirard, aujourd'hui au numéro 25 du boulevard Montparnasse. Madame maintenant s'y enferme avec toute la toute la pouponnière, et elle va devenir une sorte de mère de substitution. C'est Madame de Sévigné qui décrit cela. Un beau jardin, dit-elle, de beaux et grands appartements, et elle explique qu'on se déplace en carrosse avec des gens, des chevaux. On voit quand même que euh, Madame de Maintenon, enfin je l'appelle Madame de Maintenon, c'est un anachronisme évidemment, pour l'instant elle est Madame Scarron. Madame Scarron euh, vit très confortablement et elle prend bien sûr très à cœur son rôle de gouvernante. Elle racontera plus tard à Mademoiselle Domal sa confidente, je, je cite « J'allais souvent à pied de nourrice en nourrice, portant sous mon bras du linge de la viande. » Ça vous dit quelque chose cette phrase-là « Je passais quelquefois la nuit entière chez un de ses enfants qui étaient malades dans une petite maison hors de la la barrière je rentrais chez moi le matin par une petite porte de derrière et après m'être habillé je montais en carrosse par celle de devant pour m'en aller à l'hôtel d'albret ou de Richelieu afin que ma société ordinaire ne s'aperçût de rien et ne soupçonna même pas que j'eusse un secret à garder Vous voyez entre parenthèses que tout ça se fait dans le plus grand secret ce qui veut dire que euh, madame Scarron doit vivre deux deux vies. Elle se partage entre tous. Voilà ce qu'elle dira à l'abbé Gobelin, son directeur de conscience. Monsieur le duc du Maine a la fièvre double carte. Elle écrit. Monsieur le comte de Vexin, un vomissement et un dévoiement, et Madame et Mademoiselle de Nantes vient de retomber. Je me partage entre eux et les sers comme une femme de chambre parce que parce que toutes les leurs sont sur les dents. C'est un travail, c'est un emploi euh, terrifiant qu'on lui a finalement euh, confié. Alors elle va bien entendu choisir elle-même les précepteurs à mesure que les enfants grandissent, etc. Et elle veille à cette éducation. On peut dire qu'elle elle forme là ce sens de la pédagogie qui fera plus tard euh, d'elle la fondatrice de la maison d'éducation de Saint-Cyr, bien entendu. Elle a le goût, elle a le don de communiquer ce qu'elle sait. Vous savez, elle, est, euh, elle a ce sens hein, qu'on qu ressent chez certaines personnes qui sont particulièrement... Euh, qui sont particulièrement pédagogues. Elle aime apprendre aux autres. Elle est à la fois assez sévère, elle a des règles, et en même temps, elle a une très grande compréhension pour les enfants et les, les, les mœurs. Euh, comment dirais-je, les, les principes, les préceptes d'éducation qu'elle va euh, qu'elle va leur appliquer sont souvent incroyablement modernes. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à mesure que le temps passe, un peu évidemment, elle va s'approprier les enfants. Euh, non seulement elle gagne leur confiance mais elle gagne leur amour disons-le elle devient la véritable mère de ses enfants en tout cas euh, du duc du Maine ça c'est incontestable il est maladif hein, le petit duc du il est infirme il faut l'aider constamment donc évidemment on a tendance à fondre devant lui en plus il est d'une intelligence assez remarquable qui va bien entendu c'est ça sans doute qui va le plus séduire euh, madame Scaron en 1673, on peut dire que le secret de Madame de Montespan est largement éventé. En 1673, tout Paris sait pour les enfants et pour leur gouvernante. de la bande originale du film Louis enfant roi, c'était l'ouverture. Franck Ferrand 14h 15h sur Europa+. Au cœur de l'histoire avec vous Franck Ferrand et c'est madame de Maintenon qui est à l'honneur cet après-midi, c'est la dernière partie de votre récit. Franck. Oui, alors elle a donc élevé un certain nombre des enfants que madame de Montespan avait donné à Louis XIV, ça se sait en 1673 au point qu'un peu avant Noël, le roi décide de légitimer ces bâtards, d'officialiser la situation, ce qui veut dire que madame de Maintenon, alors elle s'appelle pas encore madame de Maintenon que madame Scarron peut entrer à la cour, elle a 38 ans à l'époque, le roi en a 35, vous voyez tout de même. Et euh, on est encore dans la cour euh, de Saint Germain-en-Laye à ce moment là. Alors, il y a un jeu qui s'établit peu à peu entre Louis XIV qui ne sait pas trop comment prendre cette dame un peu prude euh, qui a l'air tellement sûre d'elle et cette femme qui elle même est intimidée par un milieu qu'elle découvre et qu'elle découvre sur le tard. À qui sont ces enfants? lui demande un jour le roi. Sûrement à la dame qui demeure avec nous, du moins si j'en juge par les agitations où je la vois, au moindre mal où ils sont, répond madame euh, Scarron. Et qui croyez vous qui en soit le père? demande le roi. Ma foi sûre, je n'en sais rien, mais j'imagine que c'est quelque duc ou quelque président au Parlement, et ça fait beaucoup rire le roi, qui peu à peu euh, trouve cette femme pleine d'esprit, lui trouve de grandes qualités, à mesure même qu'il se lasse de madame de Montespan, euh, viendra par la suite, se mêler à la, à la question, l'affaire des poisons, vous savez. Alors évidemment, la défaveur de madame, la disgrâce de madame de Montespan sera consommée. Elle ne se doutait pas, Françoise Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, cette grande dame de la cour avec son, son immense ascendance. Elle ne s'imaginait pas qu'en faisant entrer cette semi-bourgeoise dans son intimité, c'est en même temps un, une vipère qu'elle allait nourrir dans son sein. C'est en tout cas comme ça qu'elle allait voir les choses. Les, euh, on peut dire qu'à à partir de ce moment, les disputes entre madame de Montespan et celle qui s'occupe de ses enfants sont de plus en plus nombreuses, fréquentes, violentes même. Je me suis amusé sur le site francferrand.com à vous citer l'une de ces, de ces disputes écrites par Françoise Chandernagor, c'est assez, assez spectaculaire. Euh, madame de madame Scaron est bien prête à plusieurs reprises de perdre son office, mais elle jouit de plus en plus de l'appui, du soutien du roi qui en décembre 1674, et nous allons revenir bien sûr sur cet épisode tout à l'heure, euh, qui en décembre 1674 va l'appeler Madame de Maintenon, et toute la Cour l'appelle désormais Madame de Maintenon, on n'imagine pas jusqu'où cela ira, puisque très bientôt, elle va devenir littéralement l'épouse, Morganatique certes, mais elle va devenir en secret l'épouse de Louis XIV, c'est un destin tout à fait extraordinaire, l'un des plus extraordinaires qu'on puisse euh, imaginer évidemment. Madame de Maintenon, parce que maintenant on peut l'appeler ainsi, Madame de Maintenon va euh, utiliser la très grande confiance du roi, la position absolument unique qui est la sienne, pour constamment favoriser le duc du Maine. Et ça aussi, nous allons y revenir. On la verra dans la fin du règne tout faire pour infléchir euh, les décisions du roi en matière de succession, pour que le testament de Louis XIV désigne euh, le duc du Maine à la présidence du Conseil de Régence. On sait ce qu'il en adviendra à la mort du roi. Le Parlement de Paris cassera le testament de Louis XIV et confiera la régence pleine et entière au neveu du roi, à Philippe d'Orléans. On peut dire que ça aura été euh, le, la dernière grande déconvenue de Madame de Maintenon en ce monde. Je croyais autrefois, lui fait dire Françoise Chandernagor, que l'âme s'usait avec le corps, et qu'à l'instant que les mains n'ont plus la force de saisir, l'esprit lui-même se détache des vanités et des passions de ce monde. Et voici que j'enferme dans ce corps décharné un cœur plus âpre, plus inquiet, plus avide d'amour et d'absolu que l'âme de mes jeunes années. Le silence de ce couvent et l'immobilité de ma prison de chair m'étouffent. Je meurs, mon enfant, de sécheresse plus que de vieillesse. Bonjour Françoise Chandernagore. Il y a longtemps que j'attendais ce, ce moment. Je suis très heureux de vous recevoir. Je pense que tout le monde l'aura compris. Nous allons bien sûr parler de Madame de Maintenon, de cette cour de Louis XIV, de tous ces événements extraordinaires. Mais nous allons aussi, et j'ai envie de dire surtout, c'est assez égoïste comme ambition de ma part, parler de l'écriture de ce maître livre que vous avez écrit bien sûr en 1981, L'Allée du Roi. C'était chez Julliard et c'est réédité aujourd'hui en folio chez Gallimard. Franck Ferrand 14h-15h heures, heures sur Europe. 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Madame de Maintenant, Madame Louis XIV, avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Françoise Chandernagor, de l'Académie Goncourt, écrivain, auteur notamment, vous le disiez, de l'Allée du Roi, sorti en 1980, plusieurs fois réédité, et en folio chez Gallimard aujourd'hui. Alors, Françoise Chandernagor, vous me faisiez remarquer, vous avez tout à fait raison, que j'ai commis une erreur dans le récit tout à l'heure. J'ai dit qu'elle était née, qu'elle était née protestante. En fait, non, elle a bien été baptisée catholique. Oui, oui, elle est, elle est née catholique parce que sa mère était catholique et que son père, qui était né protestant, et fils du grand poète protestant d'Aubigné, avait sûr. renié sa religion plusieurs fois. Enfin, <laughs> c'était un gars qui passait de prison en prison et de religion en religion. Enfin, c'était un, un quel, aventurier. Quel destin phénoménal On se demande d'ailleurs pourquoi, avant vous, personne n'avait eu l'idée de, de s'emparer de cette incroyable destinée pour en faire un grand livre. Parce que vraiment, on a dans l'histoire à part peut-être Théodora ou quelques exemples limites, on n'a pas d'image, on n'a pas d'exemple d'une personnalité qui soit partie d'aussi bas pour Monter aussi haut dans la société, oui. je veux dire. Oui, et moi c'est ça qui m'intéressait, un exemple d'ascension sociale aussi tout à fait extraordinaire, surtout pour une femme et à une époque où on ne bouge pas, la société est très immobile. Mais euh, je pense que les gens n'avaient pas écrit là-dessus parce qu'ils étaient restés, ils en restaient à la caricature qui avait été faite d'ailleurs par l'enseignement scolaire, parce que Michelet s'était appuyé uniquement sur la Palatine et sur Saint-Simon pour faire le portrait de Madame de Maintenon, et il avait fait un portrait à terrible, charge, forcément. À charge, bon et et sans même se rendre compte qu'en fait Saint-Simon n'est pas une source d'information différente de la Palatine. Quand Saint-Simon arrive à la cour à 15 ou 16 ans, Madame de Maintenon a plus de 60 ans. Il ne l'a pratiquement jamais rencontrée. Voilà. Bon, il l'a perçue de loin. Il dit quand on l'a de loin, hein, voyait des coiffes noires. Je sais pourquoi pas. <laughs> il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. Donc il va être obligé de s'en remettre euh, euh, à la mère de son meilleur ami. Son meilleur ami, c'est Philippe d'Orléans. La mère, c'est la Palatine, voilà, et qui est elle, belle déteste, Qui est la belle-sœur du roi et qui déteste. Et qui est la belle-sœur de Madame de Maintenon de fait, et qui déteste la belle-sœur parce qu'elle est amoureuse du roi, elle aurait bien voulu être à la place de madame de Maintenon mais pas de chance. L'autre qui est pourtant plus vieille que la palatine, c'est ça qui l'agace, mais beaucoup plus belle, s'il faut dire quand même. oui. Peut-être pas plus intelligente. Elles sont toutes les deux très intelligentes dans des genres différents, mais bon, euh, voilà, y a, y a, donc est, on, on est informé par des gens extrêmement jaloux et, et, et c'est une désinformation qui a marché superbement et les, les gens n'avaient pas tendance à aller chercher des lettres. Moi ce qui a été le coup de foudre c'est la correspondance de, de madame de maintenant et euh, elle n'était pas un entièrement un nombre de lettres phénoménal, oui. combien de lettres Alors il oui. y avait il y avait euh, 80 volumes de lettres de madame de maintenant à Saint-Cyr. Et il n'y avait pas tout à Saint-Cyr, c'était des lettres écrites à des à des petites filles ou à des institutrices. et c'était des lettres bon dans l'entourage immédiat mais y a Beaucoup de lettres que les dames de Saint-Cyr n'avaient pas. Elles en avaient au moment de la Révolution quand même 80 volumes de lettres qui ont été totalement dispersés par la Révolution. Et ensuite, on a eu des publication très partielle de telle ou telle lettre avec la princesse des Ursins assez tôt, c'est-à-dire au moment de la guerre de succession d'Espagne euh, avec, avec son frère Charles, avec bon. Mais euh, on est en train de faire actuellement la première édition de la correspondance générale de Madame de Maintenon de Ça rassembler va être en, en de nombreux volumes. j'imagine. Alors on, on en est, euh, on en est au sixième volume. C'est <laughs> chez Honoré Champion parce que c est, c est, et chaque volume fait euh, au moins un millier de pages. Donc euh, on commence à rassembler les choses, mais seulement et j'espère que c'est un peu à cause de l'allée du roi, seulement depuis ce moment-là. Parce qu'en réalité, cette femme avait raconté beaucoup de choses. Vous disiez tout à l'heure, vous montriez comment je reprenais des phrases dans le récit de l'allée oui, du roi, voilà. des phrases écrites par elle. Mais oui, parce qu'elle a raconté beaucoup de choses dans sa correspondance. Beaucoup de choses aux dames de Saint-Cyr, que les autres ont notées, etc., ou aux petites filles. Et au total, nous avons beaucoup de choses où elle dit je. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai écrit à la première personne. Et c'est ce qui est magnifique dans votre livre, c'est qu'on ne voit pas du tout les coutures. On ne sait pas quand c'est Mademoiselle de Hommale, quand c'est Madame. De Kellus, quand c'est euh, euh, Madame de Maintenant elle-même qui parle, et vous, bien entendu, car vous avez dû inventer un certain nombre de scènes, évidemment. Il y avait des, sûr, il y avait des trous dans cette biographie, bien forcément. Sûr. Il, y avait, hein il y avait beaucoup de trous, d'autant plus que c'est une femme très secrète et qu'il y a toute une partie de sa vie qui est très secrète ou qu'elle n'a pas euh, vraiment commentée. Hein. D'abord, euh, sa vie avec Scarron, sa vie conjugale avec Scarron, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle a été. Euh, sans doute pas un mariage blanc, mais sans doute pas un vrai, vrai mariage non plus. Donc, moi, je vous l'ai fait dire que c'était. Un mariage gris, mais enfin bon, <laughs> voilà. Et, et puis, bah, toute l'époque où effectivement elle est, euh, euh, elle doit cacher les enfants, elle doit elle-même ne pas dire à ses amis qu'elle est, il euh, y a des bâtards et qu'elle en est la gouvernante. Donc là, elle, elle n'a pas trahi le secret, euh, sauf dans des lettres retrouvées aujourd'hui, mais sinon avec son confesseur, c'est pas, pas risqué. Et mais, puis cette entrée à la cour qui, pas par, qui ne se fait pas bah par la non, grande par porte, la mais porte. par une porte de côté, voilà. disons. Et oui. puis après, le moment où probablement elle est la maîtresse du roi, alors que madame, madame de Montespan. Est là, la Fontangé est là, etc. Bon, et puis pour finir, un mariage secret. Elle n'a jamais pu dire je suis mariée. Ça apparaissait vraiment euh, évident au bout de quelques temps aux yeux de la cour. Elle, porte, elle avait le temps. droit d'être en fauteuil à côté oui, du roi, oui. ce qui est un cas totalement unique oui, dans oui. toute l'histoire de l'étiquette royale. Donc les, les personnes présentes devaient bien comprendre quelle était sa situation, mais ça n'a jamais été officiel. Oui, oui, d'ailleurs, euh, une fois euh, Louis XIV venait de prendre une médecine, il était à moitié sur son lit, elle était à côté de lui et c'était au début de leur mariage. Et à ce moment-là, le frère du roi euh, Philippe est entré dans la pièce. C'est lui qu'on appelait Monsieur à la cour. Monsieur. Et donc, euh, elle a, à ce moment-là, Louis XIV a dit. De la manière, mon frère, dont vous me voyez avec ma femme, vous vous doutez bien de ce qu'elle met. De ce qu'elle met. Voilà. Mais sans pas plus. Donc, c'est une façon de dire, bon, bah, voilà, nous sommes mariés. Euh, de même, elle, il euh, y avait des, 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 elle recevait parfois des lettres anonymes ou, ou pas anonymes de, de braves dames qui étaient indignées de sa situation. Euh, des braves dames dévotes qui lui écrivaient, mais comment, vous êtes la maîtresse du roi. Et alors, elle, elle répondait, quelquefois, notre évêque sait à quoi s'en tenir. Mais c'est tout. Elle pouvait pas aller plus loin. Ah non. Jamais. Jamais. Alors une très grande intelligence, une vraie douceur de comportement, mais une fermeté dans la volonté absolument inouïe. Je ne mets point de borne à mes désirs, n'est-ce hein, pas C'est un peu la devise qu'on a retenue de, de cette de cette femme extraordinaire. Nous allons revenir bien entendu sur, sur l'ensemble de ce parcours inouï. Euh, un parcours quand même qu'elle partage, si je puis dire, avec sa domestique Nanon Balbien. Vous lui faites dire, ça j'aime beaucoup ce passage, alors elle raconte dans quelles circonstances extrêmes, difficile à la récupérer cette pauvre fille qui vivait littéralement dans un gourbi au milieu d'une famille qui, qui mourait de faim elle avait besoin de moi plus que moi d'elle écrivez-vous je l'engageai donc et, de, et ce jour fut pour elle le début d'une fortune qui toute proportion gardée ne me paraît pas moins prodigieuse que la mienne c'est qu'elle a entraîné dans son sillage un certain nombre de ses amis Oui, nom a été à la cour dans la privance du roi comme on dirait <laughs> elle s'est occupée de la jeune duchesse de bourgogne qui était devenue euh, dauphine euh, et, et Nanon était vraiment comme la nounou de, de, de la duchesse de Bourgogne. Et ça, ça, ça a indigné Saint-Simon aussi. de Penser que Mademoiselle Balbien, elle était devenue Mademoiselle, mais alors qu'elle était sortie de rien, euh, qu'elle avait appris à lire avec Madame de Maintenon. Et euh, Mademoiselle Balbien avait ses entrées à n'importe quel moment, dans la chambre de la Dauphine, dans la chambre du roi. Ben oui. Et ça paraît un Et euh, pas Saint-Simon, lui. Oui. Pas au duc et père. Alors là, oui. ce n'était pas acceptable à ses yeux, bien entendu. Ce livre, vous l'avez écrit pendant plusieurs années. Hein. Ça a dû, oui, oui 4-5 ans. Oui. 4, ans. Euh, ça a été un immense succès à l'époque. Ça, J'en témoigne. Ça été, vous, vous en avez vendu des centaines de milliers ah, oui, d'exemples. Oui, 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 oui. euh, ça a été adapté au théâtre, ensuite, oui. euh, à la télévision, oui. bien entendu. Oui. Alors euh, Tout le monde connaît le, le, le célèbre film. D'ailleurs, je vous propose, si vous voulez, d'en en entendre un, un court extrait. Que vous me faites du bien, si... Euh, je sens que je me... Je ne croyais pas que l'heure était aux larmes. Pardonnez-moi, sire. Je n'ai pas le pouvoir de les retenir. Je vous aurais voulu moins affliger en cet instant, madame. Si dans vos bras je ressentais moins de bonheur, sire, je n'en éprouverais pas tant de honte. Je ne suis pas maîtresse des sentiments qui me portent vers vous, mais je n'ignore pas à quel point j'offense Dieu. Sire, je sais quel mépris vous avez pour les prudes. Et la crainte de vous déplaire augmente encore mon chagrin. Je n'aime pas les prudes, en effet. Mais je ne vais pas les femmes sages. Moi n'ai-je pas l'occasion d'en être lassé dans ce pays Je n'étais pas parfaitement sincère dans mes plaintes. Ce n'était pas tant la honte du péché qui m'affligeait que celle de figurer dans un rang médiocre sur une liste un peu longue de galanterie royale. Quel plaisir pour l'esprit, euh, cette langue du XVIIe siècle, oui. dans laquelle vous vous êtes littéralement coulé. Ah oui, oui j'ai adoré. Hein, <laughs> ça a été un grand bonheur pour moi. Puis je me suis aperçu que j'avais des facilités dans ce style. En fin de compte, euh, j'ai l'impression de trouver ma langue naturelle. C'est ça. Oui. Et c'est peut-être finalement notre langue naturelle à tous. La seule différence entre vous, Françoise Chandernagor, et la plupart d'entre nous, c'est que nous, nous l'avons oubliée. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. de la bande originale du film Louis, enfant roi, c'était Madame de Beauvais. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Madame de Maintenon cet après-midi, avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, François Chandernagor, de l'Académie Goncourt. Alors, Madame de Beauvais était celle qui, avait, qui était censée avoir dépucelé le roi. Mmh. Euh, depuis, il avait eu un nombre absolument incalculable de maîtresses. Comment expliquer que ce coureur de jupons, que cet homme qu'on voyait avec constamment de nouvelles conquêtes, connu, ou pour le plus souvent, Inconnu de l'histoire. Comment expliquer qu'il se soit arrêté, si je puis dire, sur Madame de Maintenon et qu'à partir de, qu'à partir des années 1680, il lui soit à ce point fidèle? C'est la crainte de Dieu? C'est la force de la dame elle-même? La crainte de Dieu sur un homme de 40 ans, même si à l'époque c'est considéré comme plus vieux qu'aujourd'hui, mais bon, c'est relatif. Il hein. bon, y, y a des gens à l'époque qui ont une mauvaise santé, mais enfin Louis XIV avait une très bonne santé. Il est mort à 77 ans. Elle, elle est morte à 84 ans. Oui. Bon, on peut penser qu'à 40 ans ils sont pas absolument rebutants l'un pour l'autre, ni si ni d'évoque ça. Enfin, ça suffit pas. et euh, Mais c'est vraiment euh, là un tour de force de Madame de Maintenon, parce que je ne sais pas. Effectivement, comment elle a fait Et euh, simplement, elle disait, elle disait plus tard, euh, à la fin de sa vie, aux, aux, aux dames de Saint-Cyr, si le roi n'avait pas trouvé son plaisir avec moi, il serait allé le chercher avec d'autres. Bon, donc il c'est son plaisir au sens large, bien oui, sûr, oui, bien sans sûr, doute pas ben, exclusivement un plaisir sexuel, mais je crois qu'elle était, euh, bah, elle, elle a peut-être fait avec Louis XIV comme elle faisait avec les enfants. Elle l'a charmé, elle s'est prêtée à quelques caprices, etc., etc. Et petit à petit, alors il est vrai qu'il avait aussi, euh, c'est moi qui lui fait dire, on l'a entendu tout à l'heure euh, aussi dans le, la bande de, du, du film. Euh, je ne déteste pas les femmes sages parce qu'il avait quand même l'exemple de sa mère. Il avait adoré. Sa mère. Quand même, il y avait un, un rapport entre le, le fils et la mère très fort. Et Anne d'Autriche avait été une femme assez coquette. Bon, on sait qu'elle avait été amoureuse de Buckingham, etc. Mais euh, c'était une femme sérieuse, politique, euh, qui se tenait bien, qui, avait, qui était élégante, mais qui avait. Bon, alors, au fond, est-ce que c'est pas ce qu'il a aussi trouvé avec Madame de Maintenon, sur le tard relativement, donc autour de 40 ans, euh, alors que les autres étaient parfois, soit comme Mademoiselle de La Vallière, euh, pas, euh, elle était trop, trop timide d'une certaine manière. Hein, bon, elle, elle, elle ne pouvait pas tenir un rang à la cour. Bon, soit comme Madame de Montespan, pas alors assez. Alors l'excès inverse, oui, oui, là, vraiment. Inverse, le traitant plus bactère par moment. disant il adore ça. Alors <laughs> voilà, vous êtes très mal né Je suis, je, je suis quand même d'une meilleure naissance que vous. Elle lui racontait des, 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 des à l'ombre comme ça. Donc, il y a ça. Mademoiselle de Fontanges, on dit bien, et Saint-Simon le dit, il en avait honte parce qu'elle était trop sotte. Elle et était oui. ravissante. Elle avait 17 ans, mais il s'est aperçu ravissant en idiot, chemin oui. que c'était une ravissante oui. idiote. Bon, donc, au, finalement, il voulait euh, une, une maîtresse qui soit agréable à vivre et qui arrive à tenir un, un rôle euh, acceptable. Et avec Madame de Maintenon, je pense qu'il l'a trouvée avec une femme au surplus, extrêmement discrète. Et ça, il le voulait parce qu'il avait... Et il ne fallait une jamais trahir, grande, le, trahir le secret du roi. Une jamais. grande constance, il l'appelait votre solidité, votre hein, solidité. Pour voilà, il l'appelait votre solidité. Parce en, elle elle même... était solide d'ailleurs, elle ah était oui. très solide. Elle est absolument imperturbable. Elle est incassable, est elle a une enfance, c'est un, un cas d'enfant résilient pour moi. Parce qu'elle a une enfance épouvantable, et pour en, employer le, le, le vocabulaire de Boris Cyrulnik, je pense que c'est typiquement un cas de résilience. Elle, elle, hop elle, elle se redresse chaque fois et, et elle repart et peut-être parce qu'elle a eu quand même dans son enfance d'excellents contacts avec sa tante euh, qui la prenait par intermittence mais là là elle a connu l'affection mmh. Il n'était pas facile à vivre Louis XIV. Lorsqu'on, lorsqu'on vous lit, on se dit que c'était quand même un peu un, un, une épreuve quotidienne pour Madame de, de Maintenon. Il vivait les fenêtres ouvertes en plein hiver. Euh, il voulait tout, tout son monde à, à sa merci en permanence, euh, avec en plus ce sens de l'esthétique et cette espèce de rigueur. Elle dit "Il nous faudra mourir en symétrie." Oui, c'est hein. <laughs> un mot c'est un authentique. Je l'ai repris. Il faudra périr en symétrie. C'était, c'était, c'est assez bien vu. Elle a beaucoup d'humour. Je signaler que là, euh, vraiment, moi, ça a été la découverte à travers sa correspondance. C'est une femme pleine d'humour. On nous l'avait pas dit avant. Et oui, non, c'est vrai, pleine de vie aussi, oui, hein, oui. puisque c'est vrai que l'image qu'on en a gardée, c'est plutôt oui, bon, cette veuve un très peu très sombre. Une vieille dame, de, non, oui, enfin, voilà, elle a pas ça. toujours eu 85 ans. Oui, bien <laughs> sûr. À la toute fin de sa vie, évidemment, elle deviendra une sorte de monument historique ah, que visitera sûr. le tsar. D'ailleurs, pendant oui. sa fameuse visite oui. à Paris en 1717, il ira à Saint-Cyr, et il se fera montrer Madame de maintenant oui. comme, comme on se ferait montrer un tableau. Absolument. Elle l'a raconté aussi. Oui, oui, Mais pour elle, vivre avec le roi n'est pas, pas tous les jours une partie de plaisir. Elle doit faire de très nombreux sacrifices dans tous les domaines, évidemment. Et parce qu'il il, il aura un véritable appétit sensuel jusqu'à la fin de sa vie, lui. Ben oui, apparemment, puisqu'on a, on a une lettre quand elle a 72 ou 13 ans, ben oui. une lettre adressée à l'époque à son directeur de conscience, demandant si de temps en temps, elle ne pourrait pas se dérober. Et il lui a dit, non, non, madame, euh, euh, cet homme se perdrait sans cela. Donc, euh, voilà, bon. Mais et euh, oui, je pense qu'il bah, était tyrannique Louis XIV, mais n tout naturellement. Il était habitué, elle, elle le disait d'ailleurs, euh, à ne compter que par rapport à lui. Euh, les autres n'existaient pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il était méchant, hein. euh, mais il y songeait pas. Il pouvait même être délicat oui, quand il, il, quand il en temps, avait l'idée. Oui, c'est ça. Mais autrement, il y songeait pas. Bon, il y avait un truc que tout le monde disait à la cour. C'était toutes ces maîtresses en souffraient, et Madame de Maintenon en souffrir, C'est que quand on faisait des grands trajets en carrosse. Eh ben, il ne s'arrêtait pour faire une pause pipi que quand lui en avait envie, oui, mais sinon ça. il n'était pas question de s'arrêter pour qui que ce soit bon voilà, alors tout le monde était prié de caler ses besoins sur les siens oui, c'est le, le roi oui. d'abord okay, oui le roi d'abord alors quelle a été son, son influence politique réelle, c'est très difficile alors là les historiens sont très partagés hein, sur, le, sur la question. Euh, moi je, je pense que c'est une influence politique réduite euh, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et il faut bien penser que euh, longtemps elle est toute seule, elle ne peut s'appuyer ni sur une famille puissante, ni sur un parti, ni au début sur l'Église, parce que l'Église n'aurait pas misé sans sous sur cette petite bourgeoise, départ, etc. Hein, bon. donc, euh, mais, mais, euh, donc, elle, elle ne peut pas vraiment avoir un avis différent de celui de Louis XIV. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a aucune part dans la révocation de l'édit de Nantes. Alors là, absolument pas. Et il faut le, cette légende... la... ah oui, il faut le, le dire, c'est la... une légende qui griette, continue à quand, courir, sûr, oui. avec l'idée d'ailleurs qu'elle s'est convertie, ce qui n'est oui. pas le cas. <laughs> Pardon. Bon, et, et, mais euh, le, 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 cette, cette légende de la révocation est née essentiellement de fausses lettres fabriquées par Laboumel au XVIIIe siècle. Hein, un protestant sévenol qui a publié une soi-disant correspondance de Madame de Maintenon, sans trop de scrupules, comme on fait à l'époque, hein. et il a inventé pas mal de lettres à hein. une destinatrice euh, qui, qui n'a jamais enfin, on retrouve aucune lettre authentique de madame de maintenon à cette dame euh, qui d'ailleurs était à la cour. Il n'y avait aucune raison qu'elle lui donne des nouvelles écrit, de la cour, oui. etc. Et elles n'étaient pas si proches. Et, et donc, toutes ces lettres à madame de Saint-Gérand sont des faux et dans lesquelles il lui a donné un rôle politique peut-être pas pour la, pour lui, pour euh, la caricaturer, mais parce qu'il pensait que ça intéresserait plus le public si on lui donnait un rôle politique. En fait, elle en a peu. Vous avez dit, l'essentiel de son rôle politique, ça passe autour des personnes, et notamment à Nomination, la fin. Oui. À la fin, voilà, les, certaines nominations. À la fin, euh, le, le testament pour ses, pour son duc d'Umène. Qui n'a pas eu d'effet, finalement. Bah, D'ailleurs, Louis XIV lui avait Vous dit, il en sera, comme oh. pour le testament de feu mon père, il sera Il cassé. avait dit à Noël, je, au moins, oui. j'aurai la paix. Hein. Oui, j'aurai la paix. Bon. <laughs> Donc, euh, voilà. Et moi, en dehors de ça, elle a peu d'influence politique. Elle a, elle a été compromise dans l'affaire quiétiste à un moment donné. Alors, elle en garde une dent contre les gens jansénistes, mais elle n'a pas besoin de remonter le roi contre les gens jansénistes. Il est remonté depuis longtemps. Donc, oui. euh, elle va pas apaiser les choses. Mais on voit dans sa correspondance avec la princesse des Ursins que, euh, en réalité elle a la tête moins politique que la princesse des Ursins. Elle dit elle-même, je, je n'ai commencé à entendre parler des affaires qu'à 40 ans. Oui, Donc c'est tard. Elle pour est avoir... arrivée tard, il faut vraiment oui. avoir ça euh, oui. bien, bien à l'esprit. Oui. Euh, L'autre raison pour laquelle elle a longtemps été plutôt mal aimée des, des historiens, c'est le rôle assez, ah, comment dire, assez saumâtre qui sera le sien dans euh, les début de sa faveur, c'est-à-dire qu'elle est dans l'intimité de madame de Montespan, elle est au service de madame de Montespan, et petit à petit, elle tire un peu, et de oui. plus en plus, oui. la couverture à oui. elle. Ça c'est clair, le dire. ça c'est clair, et le son... Ah, Méfiez-vous des babysitters, mesdames. Oui. C'est ben, arrivé dans d'autres cas dans l'histoire. Hein. Des, des, des maris qui partent avec la baby-sitter. Hein. Bon, alors, effectivement, ça, c'est pas très bien. Et là, là, à un moment donné, alors qu'elle elle s'entendait pas mal avec Madame de Montespan, elles avaient toutes les deux beaucoup de culture et beaucoup d'esprit. Euh, Madame de Montespan aimait beaucoup la conversation avec Madame de Maintenon, d'autant qu'à la cour, il n'y avait pas grand ragoût pour parler comme à l'époque. Les princesses n'étaient pas forcément très futées. Et donc, euh, elles, elles se plaisaient intellectuellement ces deux femmes mais c'est certain que Madame de Maintenon ne s'est pas bien comportée euh, vis-à-vis. -vis, oui, bien on, entendu, on, on bien on entendu. C'est évident. Mais elle s'est très bien comportée avec ses enfants. Oui. Elle a réellement aimé. Alors oui. on a parlé du duc Maine assez oui. longuement, mais oui. il y a les autres aussi. Elle ne les a pas tous élevés, mais elle en a élevé d'autres en revanche. Oui, voilà. Elle a élevé euh, six des enfants du roi, enfin cinq des enfants du roi, et les deux derniers. Euh, les deux derniers, euh, ça arrive à un moment donné où elle est devenue la première amie du roi, Madame de Maintenon, Maintenon, etc. Et, euh, à ce moment là, il y a des gens à la cour qui disent Madame de Montespan est juste assez bien maintenant à la cour pour devenir la gouvernante des enfants de Madame de Maintenon. <laughs> C'est inversion des rôles. Donc elle n'a pas élevé cela, mais elle en a élevé beaucoup d'autres. Elle a élevé quatre neveux et nièces, ses deux nièces et puis des bâtards de son frère qu'elle avait vraiment élevé Elle en a élevé un à Maintenon, etc. complètement. Elle a élevé une petite fille, Jeannette de Pincré, qui lui avait été remise bébé par une pauvre veuve bretonne qui était venue sur son chemin alors qu'elle allait de Versailles à Saint-Cyr, qui lui a donné le bébé, le paquet. Elle a pris le paquet, elle a élevé Jeannette toute sa vie, elle l'a mariée après, etc. Et Jeannette était toujours dans sa chambre. Elle a élevé la petite Marie de la Tour jusqu'à l'âge de huit mmh. ans parce que dédicataire cette... de votre ouvrage. Voilà, j'ai imaginé qu'elle écrivait pour elle parce qu'elle l'a prise dans sa chambre parce qu'elle était trop petite et de santé fragile. Elle est rentrée à Saint-Cyr, elle avait même pas quatre ans. Elle a dit non, elle va en mourir. Je la prends chez moi. Puis après, elle l'a pas remise. Elle l'a toujours gardée avec elle hein, jusqu'à sa mort. Euh, elle a élevé deux petits Africains, ce qu'on oublie un peu, Angola et Anaba. Deux princes africains, on dit que c'était des princes. En tout cas, elle les a élevés. Ils sont dans la chambre aussi, dans sa chambre et tout. Elle dit parfois, elle, elle dit à des correspondants, je vous écris, mais autour de la table tournent sept enfants et trois chiens. Et... <laughs> voilà un voilà. peu de vie autour de oui, cette Madame de maintenant oui, qu'on imagine toujours dans oui. une espèce de silence. C elle étrange. sait aussi garder le secret. Mais oui, voilà. Oui, oui, oui. Et euh, bien sûr, elle a fondé cette institution extraordinaire oui, de Saint-Cyr parce que personne ne s'occupait de l'éducation des voilà. Et je crois qu'elle a voulu, de certaine manière, réparer par là sa propre enfance très abandonnée donc elle a décidé d'ouvrir ça euh, aux familles nobles pauvres aux veuves etc pour que, pour que leur fille ait une éducation euh, quand même une chance d'être un peu formée à leur futur métier de mère euh, de femme d'exploitante de, peut-être ou de secrétaire elle a eu des secrétaires qui venaient de Saint-Cyr ou de religieuses d'ailleurs il y en a eu beaucoup et elle les dotait mais la dot n'était pas très importante et elle disait que c'était ça qui, qui la rendait triste c'est qu'elle ne trouvait pas assez de gendre pour ses filles si bien élevées <laughs> ben oui il, il aurait fallu les élever de leur côté dans, dans, cette, dans ce but-là, peut-être. Ce qu'il y a de, de remarquable dans votre ouvrage, c'est que sans jamais être didactique, vous nous faites comprendre cette femme. On voit ce caractère très puissant. Vous avez parlé d'une enfant résiliente. Hein, oui, il y avait cette, oui. cette dimension-là. On voit cette carrière construite et menée de main de maître. On voit aussi cette femme moderne. Euh, on peut dire véritable incarnation de ce qu'on appellera plus tard l'éducation libérale. Hein. On est déjà oui, dans cette, cette idée-là euh, elle n'aime pas tellement qu'on abuse du fouet et autres trucs à la mode. Et elle s'intéresse au tout petit, ce qui est rare à l'époque, et finalement, elle est très supérieure comme pédagogue quand on la lit, très supérieure à Rousseau. Voilà, par exemple. <laughs> après. Une prochaine fois, si vous voulez bien, François-Chandernagor, il va falloir que vous reveniez nous parler cette fois d'Antiquité, <laughs> puisque, évidemment, euh, il faut parler de votre, de votre nouvelle trilogie antique, Les Enfants d'Alexandrie, euh, le premier tome, Les Dames de Rome, et puis, il y en a un là qui va, qui va bientôt paraître. Euh... Pas, pas tout à fait bientôt, mais c'est L'Homme de Césarée, c'est le troisième Qui volet. sera le, le troisième volet de, de la trilogie. Faudra que vous veniez nous parler d'Alexandrie de, de, de Cléopâtre et de, et de parce Cléopâtre que voilà, voilà quelqu'un aussi qu'on n'a pas assez connu. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. On aurait encore tellement de questions à vous poser. Mais l'heure passe et il faut que je vous parle un peu des sondages. Je l'ai promis tout à l'heure. Un mot seulement pour dire qu'au château de Maintenon, les dans le, donc dans l'heure et euh, mmh. loire mmh. euh, les les jardins viennent d'être entièrement restaurés par Patrick Potier. C'est un travail magnifique et il faut aller voir ça. Ça va être inauguré là dans dans les jours qui viennent au château de Maintenon. Donc chez Madame. Madame de maintenant. Sous, sous les sondages. En ce moment, Lorena vient de m'en apporter quelques-uns, qui datent des trois derniers jours. 81% des Français inquiets pour leur retraite, 71% des Français favorables à un retour à la défiscalisation, 68% des Français contre l'engagement militaire de la France en Syrie, etc. On ne cesse de sonder l'opinion publique, mais depuis quand Eh bien, en vérité, d'abord, il faut savoir ce qu'on appelle l'opinion publique. Je me rappelle que lorsque j'étais à l'EHESS, on me disait que l'opinion publique était née au milieu du 18e siècle et qu'on on pouvait de la dater à peu près des grandes interventions euh, voltairiennes des années 1760. Euh, C'est sans doute vrai d'un point de vue historique, mais on s'intéressait déjà au point, euh, à l'opinion des gens bien avant cela, vous savez, et notamment en matière fiscale. Euh, dès le Moyen-Âge, on est assez euh, regardant, on regarde d'assez près euh, l'attitude des habitants, l'attitude des militaires, etc. dans toutes les questions de collecte d'impôts, par exemple. L'administration de Louis XV, réalise euh, en 1745 ce qui est considéré comme la première forme de grande enquête d'opinion sur un modèle qui avait été lancé d'ailleurs par Vauban, il faudrait revenir euh, là-dessus, mais on commence déjà à s'inquiéter de très près euh, de ce que pense l'opinion. Il faudra attendre néanmoins bien plus longtemps pour que naissent nos sondages tels que nous les tels que nous les connaissons euh, aujourd'hui. Évidemment, je ne pense pas vous apprendre grand-chose en vous disant que c'est Georges Gallop euh, en 1935 euh, qui va euh, pour euh, pour être agréable à sa belle-mère Olga babcock Miles qui est candidate à des élections dans l'état d'Iowa, il va établir un échantillon représentatif des habitants de cette circonscription et puis il rédige un questionnaire et il leur soumet le questionnaire. C'est le premier sondage Gallup, évidemment, ce nom est devenu synonyme de sondage aux États-Unis, bien entendu. Euh, on peut dire qu'en France, il va falloir encore un petit peu plus de temps, mais avant la guerre, déjà, on commence à s'intéresser à, à l'opinion publique. Et puis, c'est le journaliste Alfred Max, avec André Siegfried, le grand politologue, bien sûr, qui ont fondé l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Alors là, on peut dire qu'à partir du lendemain de la guerre, hein, le jour même où les Allemands quittent la capitale, le 26 août, 1944. Les enquêteurs de l'IFOP, euh, qui se sont préparés en secret, posent aux Parisiens une double question. Quelle a été votre plus grande joie ces temps derniers Et avez-vous assisté au retour du général de Gaulle La réponse était dès le 4 septembre 1944 dans Libération. Bonjour Elena Amornan. Bonjour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous intéressons à votre bedou, votre bedaine, votre brioche, votre petit bidon Bref, que des noms tendres pour décrire quelque chose qui ne l'est pas du tout Figurez-vous que s'il si fut un temps où la bedaine était signe de bonne santé et d'opulence Aujourd'hui on sait que c'est pas bon du tout pour la santé On va donc y venir à bout avec les experts au repas Vous avez des questions, vous avez envie de témoigner, vous nous contactez euh, 39,21, 34 centimes d'euros la minute ou repas.fr Et puis on va surtout démonter euh, certains charlatans qui vous proposent de maigrir, de perdre 3 centimètres en... 24 heures. Non, je ne veux pas complètement casser votre baraque, Elena, mais moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-oncle qui était ventripotent, qui nous faisait rire avec mon frère parce qu'il était énorme. Il est mort à 94 ans, ce monsieur, hein, quand même. Mais Il y bon, a des exceptions. Ça peut arriver vous, aussi. Franck, il y a des exceptions. À demain, Franck. À demain, Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. 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 Cœur de l'histoire, cœur de l'histoire, cœur de l'histoire, cœur de l'histoire, cœur de